Bonjour les amis, bienvenue sur Parc Adem. Aujourd'hui pour un nouveau Un jour à Parc, on est à Péridaïsa pour le premier jour de saison, découvrir toutes les nouveautés et voir si la nouvelle zone avec l'hôtel est ouverte. C'est parti! Principale nouveauté et grosse déception, la zone, la dernière frontière derrière moi est encore fort au chantier. D'ailleurs, je pensais que ça le serait moins. On apercevait déjà au fond les hôtels, on aperçoit également les cabanes ici là-bas et les différentes formes des enclos, mais bon, c'est encore vraiment vraiment un chantier. Autre nouveauté botanique cette fois, le jardin des moines qui se trouve tout près de l'entrée du parc. Un lieu dédié au végétal et à la méditation sur les moines qui jadis ont vécu ici dans l'abbaye autour de laquelle le parc a été construit. Juste derrière moi se trouve la future zone Terre du Froid. Donc c'est pas le même land que la dernière frontière de l'autre côté, hein. C'est bien un land différent, contrairement à ce qu'on croyait, qui va accueillir bientôt les ours polaires, des manchots et d'autres animaux venus du Grand Nord. Comme vous le voyez derrière moi, c'est encore fort en chantier, ce sera pas avant la fin de la saison 2019, voire la saison 2020. Et pour ceux qui ne situent pas l'endroit, c'est entre l'Isba et les ratons laveurs, qui pour le moment, à cause des travaux, ne sont pas visibles, et le royaume de Ganesha. Toujours à propos de la Terre du Froid, le plan nous révèle qu'ils vont construire une nouvelle rivière entre tout près du hangar de l'hydravion et de la nouvelle zone des ours polaires. Simple retard de début de saison, rénovation ou fermeture définitive. En tout cas, un employé du parc nous a dit que l'avenir de la maison d'été serait compromis. C'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud, c'est l'un des cinq plus grands prédateurs d'Amérique du Sud. Les autres géants dans la nature, pour se défendre, elles sont capables de tuer des caïmans ou des jaguars. Donc ces animaux qui peuvent être très dangereux, donc nous on ne rentre pas avec, dans aucun parc on rentre avec des autres géants. C'est une espèce qui est territoriale, donc tant qu'on est dehors, tout passe bien, une fois qu'on rentre dans leur enclos, on rentre chez elles et elles attaquent. Parmi les nouveautés de 2019, il y a deux bébés taquins dorés dans la zone chinoise du parc, qui sont des espèces de grosses vaches qui sont classées vulnérables. Et derrière moi, il y a la panthère des neiges, a de nouveau un nouveau compagnon. Il s'agit d'une espèce classée menacée. Vous n'êtes pas sans savoir que les pandas géants ont une petite libido où la période de chaleur peut s'éloigner de plusieurs années. Et coup de chance, en ce tout début de saison, on ne peut pas accéder à la grotte des pandas et à la boutique panda car Hao Hao et Xing Zui sont en période de chaleur et le parc va tout faire pour qu'il y ait un petit frère ou une petite sœur à Tianbo
qui est de l'autre côté du parc. Suite à la mort de deux des trois femelles koalas, Peridaisa a eu la chance de recevoir une nouvelle femelle et un nouveau mâle pour donner un peu de compagnie dans la vie de Coco. Oula. Malheureusement, les deux nouveaux gorilles qui sont dans le volcan où il y avait l'Omako ne sont pas visibles aujourd'hui car ils doivent encore s'acclimater dans leur territoire. Tout près dans l'enclos des girafes, il reste encore un panneau d'explication sur l'érable de l'époque de Paradisio, il y a plus de 10 ans. La boutique a également son lot de nouveautés. Désormais, il y a un étage supplémentaire. Après le groupe d'orientants qui se trouve juste derrière moi dans le temple des fleurs et qui a eu il y a 3 ans un bébé qui s'appelle Berani, le groupe d'orientants composé de Sinta et Jempa qui se trouve dans la maison de l'artisan ont eu leur premier bébé cet hiver, Sungai, un petit garçon. Cet hiver, Malé, une petite éléphante, est née dans le parc. C'est la 3e naissance d'un éléphant dans le parc. 2019 nous offre également le jardin sensoriel, un long chemin qu'on doit faire pieds nus ou en chaussettes pour éveiller nos sens. Et c'est juste à côté de l'enclos de mes animaux favoris, les capybaras, que la vidéo se termine. Le parc a encore une fois investi énormément cette année, par exemple dans la nouvelle zone avec le nouvel hôtel. Malheureusement, ça ne sera pas ouvert avant juin minimum, selon un employé du parc. Je vous conseille d'attendre cette période, plus ou moins mai, juin, si même pas juillet, car comme vous l'avez pu voir précédemment dans la vidéo, les nouveaux gorilles ou les pandas géants ne sont actuellement pas visibles. En tout cas, le parc reste un must en termes de thématisation et de bien-être animal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à regarder nos anciennes vidéos, à liker et à commenter. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Parc FM.